C'est parti, je vais vous montrer une petite recette que je vais faire parce que je vais vraiment. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je transpire pas beaucoup du visage, donc c'est pareil si je me maquille. Voilà, donc comme chaque fin de vlog, on aura un petit point chaîne. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Lucille Joseph, coach sportive diplômée. On se retrouve pour une nouvelle série de vlogs. Voilà, je voulais faire une petite intro avant de vous plonger dans le premier vlog d'une longue série puisqu'il y aura en tout 8 vlogs pour 8 semaines d'entraînement et d'alimentation avec moi pour ce nouveau programme qui s'appelle le programme le Booty Bomb Transformation Extrême. Donc c'est un programme sur 8 semaines. Un programme de challenge, un programme qui va vous intensifier le travail au niveau du bas du corps mais aussi des abdos et où on va aussi travailler le haut du corps et bien sûr le cardio. Voilà, et j'avais envie vraiment que vous m'accompagniez pendant ces 8 semaines pour voir également ma transformation physique au fur et à mesure de ces 8 semaines parce que c'est aussi l'objectif et vous verrez du coup le avant, vous verrez le après. Voilà, donc pour vous montrer comment ça se passe, mes repas, mes entraînements, ma vie quotidienne, voilà, le travail, etc. Pour suivre vraiment cette aventure en direct avec moi. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est hyper encourageant d'avoir de nouveaux abonnés, à liker à chaque petit vlog. Et voilà, ce sera vos petits rendez-vous pour le cardio si vous vous ennuyez sur le cardio. Vous mettez le vlog de Lucille et c'est parti. Et bien, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout de suite pour le premier vlog. Coucou. C'est bon la petite compote pote. Et c'est le premier weekly booty bomb. Ouais, je sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà, weekly vlog spécial booty bomb. Semaine 1, premier entraînement. Donc voilà, on est lundi, voyez ma tête, lundi matin, c'est pas pour rigoler. Donc voilà, on a déposé Irina chez la nounou, directement la salle de sport, comme ça on cherche pas à comprendre. C'est tout de suite le matin, moi ça rythme ma journée personnellement, c'est vraiment une routine. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est le sport le matin, toujours à jeun, ça fait déjà des années que je m'entraîne comme ça. Mon corps est habitué et je vous emmènerai pour faire des petites courses. Enfin voilà, je vais essayer de vous montrer vraiment un maximum de choses. C'est parti. Sympa cette petite nouvelle voiture quand même, hein. Ça fait plaisir. Elle est très sympa. On est bien. Ouais. Cardio, mais sans étage. Bon, on va le faire. Allez, il reste un peu de vue. J'ai transpiré comme un phoque. Ça fait tellement de bien en fait. Vous pouvez même pas vous imaginer, franchement, quand vous allez au bout des séances comme ça, que vous donnez à fond, c'est que du bonheur. Donc après l'entraînement, je vais vous montrer. Hop, je prends toujours un apport en protéines dans les 30 minutes qui suivent. Donc moi je prends le protéine smoothie, du coup que j'enlève à mon premier repas.
Voilà, parce que je le prends maintenant. Donc là, il est 11h. Je le prends tout de suite après l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai fait la séance 3 au lieu de commencer par la séance 1 du programme. Juste pour une question d'organisation, de praticité, je préfère commencer par la muscu. Donc voilà, donc, de toute façon, je vous ai fait mon petit planning de la semaine que je vous mets quelque part par là. Et comme ça, vous comprenez mieux, moi, comment je m'organise. Voilà, ça, c'est personnel. Vous organisez vos séances comme vous voulez. Du moment que vous ne me faites pas deux séances muscu du même groupe musculaire, donc par exemple bas du corps, d'affilée. Voilà, l'essentiel, c'est de bien tout dispatcher, mais vous pouvez faire comme moi, il n'y a pas de souci. Bon, je vais boire mon petit smoothie et on se retrouve après. Et un petit truc que j'ai oublié de vous dire, prenez bien vos photos et vos mensurations début de programme. Moi, je les ai pris hier, du coup, j'ai pris mes photos, mes mensurations. Voilà, comme ça, au bout de 8 semaines, je pourrais vraiment comparer mon physique. Parce que oui, j'ai aussi une transformation que j'ai envie d'effectuer. Même si, voilà, je suis déjà très satisfaite de mon corps, j'ai envie vraiment de me surpasser, de tenir à fond. Donc, c'est pour ça que je fais le programme alimentaire en perte de poids et le Booty Bomb. Donc, le Nutrichel et le Booty Bomb qui sont sur mon site internet. Et je vais aussi vous montrer la partie nutrition. Oh là là, il y tient à sa petite voiture. Hein. Regardez-le. À chaque petit... Ouh là là, faut frotter. Hein. Et c'est parti pour les courses. Ah. Allez, let's go. Bon, de toute façon, je vous montre tout quand on rentre. Au niveau des courses, ce sera plus simple. Bon, du coup, on est rentré des courses. Je préférais vous montrer directement, posé sur la table. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la crème fraîche légère, de la crème de coco. Ça, je en consomme rarement. Normalement, je l'ai fait moi. Mais voilà, de temps en temps, ça peut dépanner. J'ai pris des framboises, des œufs, voilà, mélange de salade, épinards. J'ai pris un chou-fleur, des courgettes, myrtilles. Ici, on a des petits haricots verts en pot. Voilà, donc des avocats, purée de tomates. C'est de la chair de tomate, pardon. J'ai pris des petits sachets de riz tout fait comme ça, bio. Du pain sans gluten, des carrés frais 0%. Émincé de saumon, galette de sarrasin et du lait sans lactose. Voilà pour mon petit retour de course, sachant que j'ai encore des choses dans les placards. Donc voilà, ça c'est pour compléter ce que j'avais déjà. Et voilà mon premier repas. Normalement, je ne mange pas aussi tard. Mais là, j'avais pas trop le choix. Donc, le café, du coup, le café glacé que je viens de vous montrer. Et là, on a un toast de pain sans gluten avec le carré frais 0%, feuilles d'épinards, du saumon et des fruits. Voilà, avec bien entendu toujours beaucoup, beaucoup d'eau. Ne pas toujours avoir que des trucs archi carrés parce que parfois... Je trouve que c'est bien. C'est parti, je vais vous montrer une petite recette que je vais faire parce que je vais vraiment essayer dans mes vlogs de vous montrer un maximum de nourriture. Donc pour cette recette, il vous faudra pardon, du saumon, 3 œufs, 20 g de parmesan, un chou-fleur, de la ciboulette, du paprika, du sel et un mixeur, enfin de préférence, voilà, parce qu'on va d'abord mixer le chou-fleur. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai déjà commencé par mixer tout le chou entier. Je vais ajouter les œufs, le saumon et le parmesan.
du parmesan, paprika et un peu de ciboulette. Voici la préparation. Maintenant, on va faire chauffer tout ça. Et du coup, on met notre préparation dans un petit plat à cake. Et je vais mettre une portion de fromage par-dessus. On va aller passer ça au four. Et je vais en même temps préparer une deuxième recette. Je vais préparer une tarte poulet courgette. Donc voilà, je vais vous montrer également cette recette. Du coup, je vais d'abord faire chauffer mes petites courgettes avec mon appareil Philips préalablement. Et on va mettre, allez, 10 minutes. C'est parti. Pendant que les courgettes cuisent, donc j'ai mis 180 g de poulet, poulet rôti, voilà, poulet ce que vous voulez. J'ai mis un pot entier, un petit pot de crème fraîche légère, 3 carrés frais, ail et fines herbes, voilà, du sel rose, des épices, et on est tout bon là-dessus. Et ici, il s'agit d'une pâte feuilletée sans gluten, voilà, que j'ai trouvé au Géant Casino. Vous pouvez en trouver maintenant un petit peu de partout. Et après, on va venir ajouter du coup mes courgettes ici. On pourra tout bien étaler avec une petite portion d'emmental. Pour la collation aujourd'hui, ça va être quelque chose de très simple. Je vais prendre des fruits rouges. Ça va être du fromage blanc comme ça, de soja et du peanut butter de chez Nutroi. Voilà, donc ça va être une collation rapide et efficace. Ok, pour notre petite tarte, donc on va venir ajouter les courgettes qui ont été préalablement cuites avec cette préparation. On va tout assembler, on va rajouter une portion de gruyère et c'est parti au four. Et voilà la petite merveille qu'on va venir passer au four. L'important, c'est de tout bien nettoyer après avoir utilisé la cuisine. Ça, c'est le principal. On continue dans les meal prep. J'ai fait un petit mélange de légumes. Voilà, comme ça, au moins ça aussi, ce sera prêt pour la semaine. Voilà, j'essaie en général le week-end ou début de semaine de prendre de l'avance sur les repas, c'est important. Et voilà le petit repas, ça c'est que pour moi. Et Nini, la petite tarte de maman, courgette poulet. Oh, ça va? Oula, ne t'étouffe pas mon amour. Hein. Oh non, voilà. Mais tu peux goûter également mon cœur. C'est quoi? C'est une petite part de tarte. Hein? Voilà, le petit flan et le petit repas pour Monsieur Plein. Bon appétit mes amours. Merci. Qu'est-ce qu'on dit Nini? On dit merci. C'est mardi matin, je vais essayer de vous montrer comment je me make-up. De temps en temps le matin, alors oui, avant la salle de sport, parce que j'ai pas le choix, j'enchaîne avec des tournages, j'enchaîne avec des trucs. Donc en soi, moi ça me pose pas énormément de problèmes parce que déjà je mets pas une tonne de choses, mais aussi parce que je transpire pas énormément du visage, je transpire beaucoup du dos, de la poitrine, mais pas beaucoup du visage, donc ça ne me pose pas trop de soucis. Donc, on va commencer. Je ne mets pas de fond de teint parce que je n'en ai pas besoin. J'ai pas une peau qui nécessite de mettre du fond de teint. Alors, désolée si je regarde en bas, c'est parce que j'ai le miroir. Donc, j'utilise la CC Water comme ça de chez Herborian. Voilà, qui est très bien. Donc,
je suis pas une make-up artiste, hein, donc je vous le fais vraiment pour... parce que ça m'a été beaucoup demandé, mais... Donc avant ça, j'ai hydraté évidemment mon visage, hein, avec contour des yeux, crème de jour. Alors après, j'utilise un contour, enfin un anti-cerne que d'habitude j'utilise pas. C'est le Always Fabulous de chez Bourjois. Normalement je mets autre chose, mais ben, j'avais plus ça. Il fait l'affaire. C'est pas le contour des yeux que je préfère. Enfin, c'est pas l'anti-cerne que je préfère, mais ça va. Les sourcils, j'utilise un peu le Shape Me de chez Banana Beauty comme ça pour faire les sourcils. Après, je viens fixer avec le Control Freak, pareil de chez Banana Beauty. Je mets la poudre NYX Finishing Powder pour le contour des yeux, celle-ci. La Glowish de chez Huda Beauty pour bronzer mon teint. Merci. C'est quoi, c'est de la compote? Ouais. Non, c'est pas la compote. C'est quoi? Par contre, ce que je reproche à cette poudre, c'est qu'elle soit pas très pigmentée. J'allais dire pimentée, non. Pimentée, non, ça c'est sûr. Mais pigmentée, je trouve qu'il faut vraiment en remettre. Et vas-y, qu'on renvoie le pinceau. Vous voyez, il faut que j'y aille, alors que en vrai, j'en ai pas beaucoup sur le visage. Hein, mais c'est qu'il faut vraiment s'y reprendre à 800 fois, quoi. C'est dommage, parce que la teinte, elle est bien, mais... Ouais, moi j'aime pas quand il faut faire 400 allers-retours, quoi. Et je viens un petit peu tout fondre avec un gros pinceau, moi j'aime bien faire ça. Le blush crème de chez Fenty Beauty, c'est le Bikini Martini. Alors, c'est un petit peu d'highlighter. Ah non, d'abord je voulais faire un micro contouring du... Enfin, vraiment le tout petit contouring du nez. Voilà, je mets un petit peu de Fenty l'highlighter. Tout petit peu de blush poudre en plus parce que... Voilà, juste histoire de donner un petit peu d'éclat. On réestompe le tout. Alors, l'eyeliner... C'est un Nyko London Black Magic. En fait, je l'ai eu dans une box. Et ouais, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors, ne critiquez pas ma façon de faire. Voilà, et je vais juste faire l'intérieur avec un crayon. Je prends ma petite palette Fenty Beauty comme ça, c'est la palette Snap Shadow, voilà, de chez Fenty Beauty. Je vais juste mettre la teinte la plus claire en coin interne. Et je vais mettre la teinte la plus foncée. Je fais jamais deux fois les mêmes techniques. Hein. Les make-up artistes en sueur, là, je pense qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, la meuf? Et bon, je suis coach, hein, je suis pas make-up artiste. Vous m'avez demandé de vous montrer ce que je fais, je vous montre. Mais si c'est pas pour critiquer ce que je fais, c'est pour vous juste pour que vous voyez ce que moi je fais. Voilà, après, vous aimez pas, voilà, c'est... Là, c'est chacun qui fait comme il veut après, hein. Voilà, et là j'estompe un peu le tout, je réunis les deux ensemble. Petit mascara, alors normalement j'ai toujours le même mascara de chez Chanel, c'est le Volume. Le Volume, mais je ne l'ai plus, il faut vraiment que je fasse un petit réassort make-up.
J'ai plus grand chose, donc j'ai ressorti un vieux mascara Maybelline New York comme ça, voilà, qui est pas top top du tout. Mais j'ai plus mes mascaras habituels. Donc comme j'ai des très longs cils, même si tu me mets un truc bas de gamme, ça passe quoi. Mais je suis pas sûre qu'il soit vraiment top. Pareil, ma technique pour mettre le mascara, tout est bizarre. Hein. Je crois qu'il y a que moi qui fais des trucs comme ça. Et voilà le rendu du petit make-up. Donc voilà, hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un Dior. C'est le rouge liquide Limely Matte. Voilà. Il est comme ça. Maman. Mmh. Maman. Qu'est-ce qui se passe, chouchou? Donc voilà. Waouh. T'es toute belle, hein? Ah, tu mets le trépied en place pour filmer? Pour filmer quoi alors, les vlogs? Donc voilà, donc on est mardi aujourd'hui, donc ça va être direction la salle de sport. Donc je vais faire mon entraînement, je vais faire la séance numéro 2 du Booty Bomb Program. Donc voilà, et après c'est ma journée d'appel téléphonique. Hein. Comme le mardi, j'appelle mes petites clientes en coaching privé. Je vais aussi tourner des petites vidéos explicatif pour Instagram et je vais commencer à préparer notre petit voyage à Dubaï. Je pense vraiment commencer à repérer à fond les hôtels, tout ça. Donc voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée avec moi. Enfin, on a une nouvelle voiture. Enfin, j'aime pas trop montrer ce qu'on n'a pas, voilà, sur les réseaux, tout ça, mais YouTube c'est un petit peu différent, je vous montre un contenu un petit peu différent, donc voilà, puis au pire si on n'aime pas, on zappe. Et parce qu'on change pas une équipe qui gagne, on finit la séance avec le challenge escalier. Allez, let's go. Tout à l'heure je vous ai dit quoi, je transpire pas beaucoup du visage, donc c'est pareil si je me maquille. Ok. J'avais oublié les entraînements, c'était en fait. J'attends Monsieur Plein qui finit son cardio. Je vais me revoir une deuxième petite bouteille d'eau. Toujours mon petit shaker. Chez So Good Campus à Marseille. Voilà, c'est là où je m'entraîne, vous savez, hein, depuis le temps. Et je suis trop bien ici. C'est vraiment ma deuxième maison. C'est parti, je vais me mettre à bosser. Mais regardez mes cheveux comme ils ont poussé. C'est pas un truc de fou par rapport à l'année dernière quand je les avais coupés. Je les avais coupés genre là. Et surtout l'épaisseur que j'ai gagnée quoi. Donc je suis trop contente. Petit repas entre deux clientes. Je mange plutôt qu'hier. Il est midi 28. Donc on a des fruits, une tartine toujours sans gluten. Donc c'est parfait. Ça fait 45 grammes et c'est ce que j'ai le droit en premier repas. Voilà, œufs, épinards, toujours un carré frais 0% et des fruits, toujours le même café glacé. Voilà, bon appétit. Pour la collation, aujourd'hui, je vais prendre des muesli comme ça, protéinés, avec, comme hier, du fromage blanc de soja et des fruits. Voilà, pour me faire ma petite collation, je vais regoûter celui-ci, puisque à un moment donné, je le prenais beaucoup. Et là, on l'a racheté avec Monsieur Plein. Il est vraiment trop trop bien. Donc pour les collations, le petit déj, tout ça, c'est top. Voilà la team, il est 19h30, je suis encore en train de travailler. J'ai une dernière élève à 20h en appel téléphonique. Donc ici on a purée de légumes verts, 100%, je crois que c'est haricots verts, brocoli, etc. Pavé de saumon et toujours ma tarte... ma pizza prosis que j'avais fait. Donc voilà, bon appétit à moi. Bon alors Nini, bon. Tu prends un rendez-vous téléphonique avec une cliente? Et là. Comment elle s'appelle? Lucille. Ah, Lucille, elle s'appelle? Oui. Comme ta maman alors? Pareil. Ouais. Eh ben dis donc, je croyais que j'étais unique moi. Bon, tu prends bien le rendez-vous téléphonique et puis tu prends les renseignements, hein, d'accord? Oh, regarde. On a pris
pris son petit bain. Oh mon bébé. Ça va, Sandra. Vous êtes trop beau, mes amours. On va s'habiller ? Hey, coucou la team, on est mercredi 1er septembre, ça y est, nouveau mois, nouveaux objectifs, nouveaux commencements. C'est parti, j'ai déposé Nini chez la nounou, direction l'entraînement comme d'habitude, let's go baby. Lui il a fini de mâcher lui. C'est lui le coupable. Oh, oh putain, j'arrive même pas à attraper les affaires. On va embêter un peu Monsieur Plein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouh, ça fait son petit cardio, hein, ma bouboule. On dirait, tu sais ce qu'on dirait? Ouais. Les petits hamsters dans les petits trous là, tu sais. Oh, je manque à tous mes devoirs, j'ai oublié de vous montrer mon repas. J'ai commencé par une bonne salade. Je vous montrerai en photo comment ça rendait. Et ma tarte poulet à la courgette. Voilà, voilà. Et le petit café, toujours pareil. Et on tourne une petite vidéo, la team, cet après-midi. Une journée dans mon assiette. Voilà, on va tourner ça pour Instagram. Donc d'ailleurs suivez-moi si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est très important parce que vous loupez beaucoup de choses, n'est-ce pas Monsieur Plein? Énormément. Relative. Bon, j'ai Amel qui vient de partir, elle m'a fait un bon massage madérothérapie, je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi si vous avez envie que je vous en parle plus en vidéo ou si la semaine prochaine vous voulez que je filme le massage pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment un massage qui va se concentrer sur la rétention d'eau, la qualité de la peau, pour la cellulite, etc. Du coup, comme je lui ai dit que je faisais le booty bomb à fond avec le programme alimentaire et que j'avais des objectifs, je lui ai demandé qu'on intensifie un petit peu les séances, voilà, qu'on y aille bien à fond pendant ces 8 semaines. Donc ça fera partie de mon protocole transformation. On vous a tourné une vidéo tout à l'heure, What I Eat in a Day, qui est disponible sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça va vous donner encore plein d'idées de repas, etc. Là, franchement, non, niveau repas, les filles, je me suis rattrapée. Parce qu'avant, c'est vrai que je ne montrais pas beaucoup les recettes, les repas. Là, vous ne pouvez pas dire que je ne vous en montre pas en ce moment, s'il vous plaît, attention. Donc, voilà, après... je vais faire un haul Léa Z boutique parce que j'ai reçu plein de nouveautés, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je range la maison, 17h je vais chercher Irina, normalement on devrait être bon. Bon, ça y est, j'ai récupéré petite Irina, on est en train de faire la promenade de Maïlé, j'ai récupéré chez la nounou, demain elle n'a pas la nounou donc elle sera avec nous. Oulala, regardez Maïlé le chien de cirque. Montre-nous, Maïlé, comment tu fais. Vas-y. Oh là là, t'as vu comme il est trop fort? C'est vraiment mon moment préféré de la journée. C'est la promenade du soir. Il fait trop bon. On fait la petite promenade avec Maïlé et Irina. C'est tellement calme ici en plus. C'est parfait. Franchement, on est trop bien. Bon, je suis en train de préparer une sauce. J'ai mis du concombre, un demi-avocat, du sel, de l'huile d'olive, un petit peu de piment et du parmesan. Voilà, je sais pas ce que ça va donner cette sauce, mais écoutez, je vais tester. Mais écoutez, le bombshell guacamole, il a l'air pas mal du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais venir mettre tout ça sur ma petite salade. Ça va être parfait ce dîner. Ça c'est à maman ? Ouh là là, maman, elle va se régaler avec son petit flan qu'elle avait fait au chou-fleur. Bon appétit. Et toi, t'as une petite crêpe à la farine de sarrasin. Œuf, poulet et mental. Bon appétit. Bon appétit. Tu dis bon appétit, Nini? Et bon appétit, papa. Thank you. 7h35 la team, on est déjà à la gym aujourd'hui puisque aujourd'hui il n'y a pas nounou pour Irina, donc je vais au sport
avant qu'elle se réveille, etc. pour pouvoir m'en occuper après. Donc voilà, pas le choix. Comme je dis souvent, la détermination n'a ni horaire ni limite. S'il fallait que j'aille à 5h du matin, j'irai à 5h du matin, c'est pas un problème. Quand je dois faire les choses, je les fais, je vais jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, c'est la journée de la séance optionnelle. Donc comment ça va se passer? Moi, je vais me faire du coup 1 heure de cardio pour cette séance optionnelle et je vais faire des abdos. Je vais faire des abdos au choix un petit peu en faisant toujours un nombre de reps. Donc, vous pouvez faire voilà, une séance qui vous fait plaisir, enfin que vous avez envie de faire, pas qui vous fait forcément plaisir, mais voilà. Ou alors, vous faites le cardio qu'il y a prévu dans vos séances et une des séances d'abdos qu'il y a prévu aussi. Voilà, c'est ça la séance optionnelle, parce qu'on a pas mal qui n'avaient pas forcément compris. Voilà, donc je pense que là, du coup, c'est un petit peu plus clair. Allez, c'est parti. On va passer à la partie cardio. Je vais faire 30 minutes d'escalier et 30 minutes de vélo électrique. Ça y est, il y a 30 minutes sur la machine escalier. On va passer au vélo électrique. C'est parti. C'est transpiration. Oh putain, c'est bon. J'ai validé ma 4e séance de la semaine. On va rentrer, il est temps. On va où, Nini? On va au parc de... Oui, au parc de jeux, c'est parti. Et voilà, on est à Royal Kids, c'est trop trop bien, je vais vous montrer un petit peu. C'est à la Valentine à Marseille pour ceux qui sont de Marseille. Hein. Voilà. Franchement, c'est gigantesque. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Par là, par là. Gami. Par là. Ouh là là. Bon, la team, c'est parti. Attends. Tiens-toi bien, Nini. Hein. Tiens-toi bien. Bon, on est parti shooter ici la team. Regarde. Waouh, j'ai une jupe et elle est en train de s'envoler. Nini! Je vais essayer de vous montrer, mais le truc c'est que j'ai une jupe qui se soulève. Et on n'est pas tout seul, quoi. C'est joli, c'est beau, hein. Bon, c'est jeudi soir, je vous reprends maintenant la team. J'ai fait le ménage dans toute la maison. Voilà, je suis en train de faire le linge, de ranger le linge, donc bon, rien de spécial. Mais voyez, en fait, les journées, elles s'arrêtent jamais. C'est vraiment quand je vous dis que je m'arrête pas, c'est vraiment le seul moyen d'avoir une routine, un mode de vie et d'être bien organisé. C'est vraiment, voilà, il faut s'octroyer des petits temps, c'est important, mais il faut pas que ce soit tous les soirs, vous êtes à vous détendre pendant 5 heures, parce que c'est pas possible sinon. Donc voilà, faut un temps pour tout, et bah, là, moi, je vais finir de ranger tout ça, et à 21h, bah, j'aurai tout fini. Là, je pourrai souffler, me reposer, me mettre un petit Netflix ou je vais voir ou me coucher direct. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi, dernier jour d'entraînement. Demain c'est le week-end.
Donc là, direction Fitness Park La Valentine pour changer un petit peu. Voilà, parce que de temps en temps, on aime bien changer, c'est sympathique. Et puis, on va se taper la dernière séance du muscu bas du corps du booty bomb. Cet après-midi, je vais me faire tanner parce que je suis bien blanche. C'est vrai que je prends plus le temps de bronzer. En fait, j'ai clairement pas le temps. Donc, je fais que des fake tan. Et ça me va très, très, très bien. Voilà, au moins, j'abîme pas ma peau. Quand je peux bronzer, je bronze. Mais franchement, j'ai plus le temps de lézarder pendant des heures. Donc, voilà, c'est parti. Une petite présentation de la salle Fitness Park La Valentine pour ceux qui voudraient venir s'entraîner à Marseille. Franchement, elle est top. Donc, Sogoud Campus, évidemment, c'est la base, mais vous avez aussi le Fitness Park de La Valentine qui est vraiment pas mal. Et en plus, il est hyper lumineux, comme vous pouvez le constater. Vous avez même un espace en bas, un espace de crossfit. Donc franchement, c'est trop bien. Là, vous avez les cours collectifs, en bas une autre salle. Enfin, trop, trop, trop cool, bien sûr. L'appareil escalier, c'est la base. Je m'apprête à prendre ma petite douche et je vais faire du coup un gommage parce que tout à l'heure, je vais faire un tan à domicile. Donc je vais faire ce gommage de chez Hello Body, je ne le connais pas du tout, je viens de le recevoir. Mais ouais, j'aime bien, ça m'inspire. Donc je vais bien gommer mon corps, bien me laver à fond pour la séance de tan. Bon, les filles, c'est vraiment, mais je vous assure, le best gommage du monde. J'ai la peau plus douce que ça, j'ai jamais eu, enfin mieux que ça, j'ai pas, l'odeur, tout, incroyable, jamais déçu par les produits Hello Body, c'est ça qui est ouf. Mais celui-là, là, c'est plus qu'un coup de cœur, je vais l'utiliser à chaque fois. En plus, il m'a envoyé plusieurs parfums, donc parfait. Pour la team, je viens de me faire tanner. Oula. Donc j'ai fait un tout petit peu sur le visage et partout sur le corps, comme je vous ai montré juste avant. Et franchement, le résultat est juste magnifique. Elle a fait pile ce que je lui demandais. Donc je vous la recommande à 3000%. Voilà, si vous êtes sur Marseille, elle est vraiment parfaite. Vous voyez, même le visage, tout ça, c'est super bien fait. Après, je vais bien rincer le tout, mais c'est nickel. C'est pile ce que j'ai demandé, donc parfait. Mais il y a un temps, la team, une pluie de fou. Heureusement que je suis pas allée chercher Irina chez la nounou à pied avec mon tan. Et voilà la team, donc on est samedi aujourd'hui, je vais vous faire mon petit point shape juste après. Voilà, comme chaque fin de vlog, ce sera toujours soit le samedi, soit le dimanche, on fera à chaque fois le point shape. Donc finalement, je pense faire des vlogs plutôt toutes les 2 semaines. Je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai envie que ce soit intéressant pour vous, qu'il y ait toujours plus de contenu, plus de... Voilà, que ce soit hyper intéressant. Donc, je me dis peut-être que toutes les 2 semaines, au moins, vous aurez déjà à chaque fois des évolutions, que ce soit en termes de mensuration, de silhouette, en termes de repas, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous préférez un vlog chaque semaine ou toutes les 2 semaines. On est samedi aujourd'hui, petite journée en famille, repos. Enfin, je vais vous montrer tout ce que je vais faire en ce samedi.
Mais tout de suite, on se retrouve au niveau de ma shape. C'est parti. Voilà, donc comme chaque fin de vlog, on aura un petit point shape. Donc je vais juste vous montrer, c'est pas le but de faire du voyeurisme ou quoi que ce soit, c'est de voir l'évolution du corps avec ce programme alimentaire et sportif, de voir la transformation et ce qu'on peut faire, voilà. Donc là, on va considérer que c'est ma shape de départ, puisque du coup, on est parti pour 8 semaines. Je viens de valider la première semaine, puisqu'on est samedi matin. Donc on va dire que c'est demain que j'aurai validé la première semaine. Donc voilà, je prends des petites positions, pas, je flexe pas. Comme ça, vraiment, on a un aperçu des plus véridiques. Parce que c'est vrai que les photos sont parfois trompeuses, on n'arrive pas à montrer totalement l'évolution, alors que là, si je fais la même vidéo à chaque fois pendant tous les vlogs, vous allez pouvoir voir réellement la différence. Voilà, là il y a encore pas mal de fat, de gras. Je pense que je vais pouvoir encore me dessiner vraiment davantage, et sur les 8 semaines ça va être bien bien intéressant. Voilà, donc relax, flex, le ventre est relâché. Si je me rentre un salon sang, on voit qu'il y a encore de la cellulite ici. Et vous allez voir, ça va partir. Vous allez voir vraiment l'évolution. Programme alimentaire et programme sportif. Pour ce petit point shape, on va d'abord commencer par mon poids de départ. Donc je suis à 62, je mets jamais bien mes pieds. Normalement je suis à 62,3, voilà, 62,3 kg pour la première semaine. Donc on va voir au bout des 8 semaines quel poids j'arrive à atteindre. Donc ça, c'est pour le point poids. Voilà, ce petit point shape à la semaine 1, j'ai trop hâte de voir vraiment l'évolution du corps. C'est tellement intéressant, je trouve, et c'est quand même hyper satisfaisant aussi quand on évolue bien, voilà. Au niveau du tour de taille, je suis à 68 cm du coup de tour de taille. Comme ça, on va pouvoir constater l'évolution avec les semaines à venir. Petit outfit du coup en ce samedi. Donc ça, c'est des vieilles chaussures que j'avais achetées chez Pretty Little Things. Ça, c'est un bas Léa Z Boutique. Ça, c'est Fashion Nova. Et le petit sac Yves Saint Laurent. Voilà. Et vous verrez, je sais plus. Elles sont vieilles. Et de face, voilà. Donc je fais une petite queue de cheval comme ça. Et avec des petites créoles. Voilà, j'aime bien le style. Waouh, montre-nous ta petite tenue du jour. Alors ça, c'est tout en Zara pour Irina. Avec une petite coiffure que je lui ai fait en rapide. Papa! Et papa, est-ce qu'il a un outfit du jour? Et papa, du coup, c'est quoi ton outfit of the day? Alors moi, je pouvais sortir tout nu, mais je vais quand même... Donc non, c'est Ralph Lauren. C'est l'enfant que tu m'as offert. Ah oui, tout Ralph Lauren de ce que je t'ai offert. Voilà. Non, c'est bien comme ça. En fait, on n'a que des tenues à vous montrer, mais pour le week-end, parce que la semaine, bah, on est que en tenue de sport. Donc il n'y a que le week-end où je peux vous montrer des petites tenues du jour qui sortent un petit peu des tenues de sport. Donc voilà. Bon là du coup la team direction le centre commercial de la Valentine. Okay, okay. On a 2-3 petites courses à faire, on va aller chez IKEA, enfin voilà, on vous emmène avec nous comme d'habitude. C'est le
le son de Monsieur Plein. T'as capté? Ouh là là, il y a un mec qui nous regardait chelou dehors. Oh là là, c'est bon, je l'ai trouvé. J'étais à la recherche de cette pâte à modeler pour Irina. Et du coup, c'est bon, on est chez Toys R Us là. C'est trop bien, c'est à la Valentine. C'est vraiment immense, comme vous pouvez le constater. Et du coup, c'est bon, j'ai trouvé ça parce que Irina est fan de pâte à modeler. Bon, papa, il est déjà bien chargé. Mais on a pris un petit cadeau pour Roxane, c'est la fille de ma meilleure amie. Donc voilà, elle a eu un an et on a trouvé. Oui, je leur ai montré déjà. Allez, Nini. Oula, mais quelle force! Coucou Nini! Vas-y Nini! Et on est chez Ikea! Coucou Nini! Elle est concentrée. Ça va, papa? Au top! Dis-moi la référence. Alors regarde, en fait c'est ce truc là orange qu'il faut que je trouve. Alors le problème c'est que il est censé être là, sauf que ça correspond pas du tout. Mais bon, on va trouver. Le dessert. Et on s'est arrêté pour manger. Bon, moi j'ai juste pris un petit café parce que je mangerai en rentrant à la maison. Et Nini, on lui a pris fish and chips. J'ai pas à manger toute seule, mais. La vie qu'elle dessine. Ouais, voilà, on l'aide un petit peu parce que. Et toi, tu t'es pris juste de l'eau. Ouais. Et ça en dessert pour Nini. Alors, je suis pas du tout sûre qu'elle aime. Ah, à boire. Hein. Mais voilà, elle, le samedi, c'est un peu aussi pareil. La semaine, elle a que des légumes, tout ça. Et le week-end, on lui fait un petit repas comme ça, c'est sympa. Bon, apparemment, ça a été validé par Nini. En tout cas, elle ne mange jamais des trucs comme ça. Et là, du coup, elle doit se dire oh, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on a besoin d'aide, papa. Hey, mes d'amour, ils sont trop beaux tous les deux. Bon, du coup, on rentre à la maison. Alors, je voulais vous expliquer parce que je crois que je ne vous ai pas expliqué. Je ne ferai pas de repas off ce week-end. Je ferai le week-end prochain. J'ai envie de laisser un espace de 15 jours pour être vraiment à fond au niveau alimentaire et sportif. Pour les simples et bonnes raisons que déjà de 1, je n'en ressens absolument pas l'envie, mais alors pas du tout, je suis trop bien dans le programme et voilà. Et j'ai envie de voir aussi comment mon corps réagit en fonction de ce que je lui applique. Donc ça m'intéresse de voir si en espaçant de 15 jours avant de faire un rebond un petit peu glucidique comme ça, voir comment ça se passe. Donc comme ça je teste plein de choses. Voilà, j'ai pas la chance d'avoir forcément un métabolisme très rapide, donc ce que je mange au quotidien me convient très bien, mais c'est vrai que si je veux sécher un petit peu, bah, je suis tout de suite obligée quand même de faire plus attention, dans le sens où bah, il y aura moins de plaisir qu'à l'année, où à l'année je peux m'en faire 2-3 dans la semaine sans problème. Mais là, comme j'ai décidé d'avoir une transformation un peu plus extrême, forcément, bah, je fais des petits sacrifices qui ne le sont pas, puisque c'est mon choix et qu'en plus, ça m'épanouit. Donc voilà. Donc c'était pour la petite aparté, pourquoi ce week-end, vous n'allez pas forcément voir de repas off. Bon, la team, premier repas. Désolée, je parle vraiment doucement parce que Irina, elle est à la sieste. J'ai testé ce mug cake de chez Nutrois avec la crème comme ça, chocolat blanc. C'est une tuerie. Voilà, donc les jours où je ne m'entraîne pas, je prends évidemment pas mon smoothie protéiné de chez Prozis et je commence tout de suite par mon premier repas. Donc voilà, une grande brise. Bon, papa a fini de monter le meuble, mais c'est magnifique. Et Nini est en train de faire une œuvre d'art digne de. C'est plus grand. Mmh. Bravo. Petite table pour l'anniversaire des 1 an de la fille de ma meilleure amie. Voilà, j'ai fait une petite table avec Monsieur Plein. On est en train de préparer un petit repas.
petite salade. Joyeux anniversaire, oui. Ah oui, c'est parce que je suis en train de filmer, du coup il n'y a plus la musique. Allez, on chante. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Roxane. Joyeux anniversaire. Allez, on saute. Ça m'a régalé. Allez, encore plus fort. Allez, plus fort. Allez, souffle. Bravo.